bienvenue dans un nouveau vlog. C'est la suite du vlog précédent. Je pensais en fait très honnêtement que le montage de mon lookbook précédent me prendrait toute l'après-midi. En fait, c'est pas tant le montage qui allait me prendre du temps, c'était surtout de vous trouver tous les liens des 10 tenues. Ça fait 10 tenues, donc 10 tops, 10 pantalons ou bas, 10 paires de chaussures, quoi qu'après je jongle toujours avec un petit peu les mêmes, des sacs à main différents, etc., etc. Donc je m'étais dit que ça allait me prendre un temps fou. D'autant plus que vous le savez, et je le prône ici, c'est pas d'acheter tout le temps de nouveaux vêtements le plus important, c'est vraiment d'avoir un dressing assez intemporel pour pouvoir en fait, et ce peu importe où vous achetez vos vêtements d'ailleurs, pour pouvoir en fait les reporter année après année, saison après saison, voire même toute l'année, pendant des années. Et du coup, bah, y a forcément certaines pièces qui ne sont plus du tout disponibles. Et le challenge pour moi, c'est de vous trouver en fait les similaires aussi, donc de farfouiller un petit peu le net pour vous trouver des similaires. Donc voilà, je suis contente, j'ai fini. Je pars de la maison dans à peu près une heure, donc ça me laisse le temps de vous montrer le gros paquet que je viens de recevoir. Je sais même pas comment vous le mettre pour que vous puissiez avoir une idée de la taille. Je vais mettre mon petit sac pollen, donc qui n'est pas le mini, hein, qui est quand même assez grand, si vous voyez la taille de ma tête à côté. Regardez la taille du sac Sephora que j'ai reçu en début d'après-midi. J'ai lutté pour ne pas mettre le nez dedans, d'autant plus qu'il est à demi fermé, vous voyez. Mais je crois très très bien savoir ce que c'est. J'ai l'impression qu'on est sur un calendrier de l'Avent. Du coup, je suis trop contente. Mais moi, j'adore les calendriers de l'Avent. Vraiment, j'adore ça. Des petites surprises comme ça au quotidien. Moi, je suis fan et tellement, comme je vous le dis... Hop là! Ah, je suis en train de me faire spoiler. Donc, il s'agit du calendrier de l'Avent Sephora, le favorite, qui est aussi grand avec toutes les marques préférées de chez Sephora, vendues chez Sephora. Attention, spoil, je vais montrer à l'écran, mais je ne dirai rien pendant les 4 prochaines secondes. Je vais montrer l'arrière du calendrier. Donc, fermez les yeux les filles si vous ne voulez pas voir. Voilà qui est fait. Et à l'intérieur, j'ai autre chose. Ah, c'est le calendrier de l'après. Donc, c'est pour patienter entre Noël et le jour de l'an. Oh, c'est trop bien. Attention, je retourne aussi. Alors, cachez vos yeux. Ah, je suis trop contente. C'est la première fois que j'ai un calendrier de l'après. Eh bien, très sincèrement, merci beaucoup Sephora pour ce calendrier de l'Avent et ce calendrier de l'après. Et il s'agit du calendrier de l'Avent Favorites, parce que je l'avais entreaperçu pendant la journée presse Sephora. Et c'est la première année qu'ils m'offrent leur calendrier de l'Avent. Je me souviens, les années précédentes, c'était l'amoureux, parce que c'était le calendrier que je demandais à chaque fois pour Noël. Je sais pas vous, mais ça commence à sentir Noël dans l'appartement, entre le calendrier de l'Avent Sephora, le calendrier 12 jours de Avent et le calendrier de l'après de Sephora toujours. Je suis trop contente, j'ai tellement hâte que ce soit Noël. On va en profiter pour prendre notre petit Pink Glow de la marque M. D'après ce qui nous est écrit, 2,5 cuillères doseuse bombée à diluer dans un mug d'eau chaude ou de lait de 25 centilitres. Ah, eh bien, je n'ai pas de cuillère doseuse et 25 centilitres, je ne sais pas trop ce que ça fait. Je vais reproduire les quantités que j'ai vues à la journée presse Sephora, j'avais un bon verre quand même. Sachant que les canettes font à peu près 33 centilitres, je sais que c'est un petit peu moins, donc je vais me faire un mug grand comme un café, comme je me fais le matin, je me fais un double en général. Donc du coup, je pense que je vais pouvoir y arriver. La boisson, hein. Vous avez vu cette belle couleur, elle a une couleur un petit peu betterave et ça sent les plantes.
Autant celui au cacao avait vraiment une odeur et un goût de cacao, il était très bon. Autant celui-là, on est plus sur des senteurs de verre. J'ai l'impression de sentir, vous savez, les odeurs des jus de légumes, des jus un petit peu détox. En termes de goût, ça sent vraiment le verre, étrangement parce que c'est rose. Donc tu sens vraiment que tu bois en fait un complément alimentaire naturel à base de plantes. Mais ce n'est pas comme celui au cacao qui était en plus bon et réconfortant, où tu te dis voilà, là je bois ma petite boisson de l'après-midi ou du matin ou du soir. Là on est vraiment sur un soin. Bon, eh bien écoutez, je vais continuer mon petit rangement parce que forcément, quand on filme un lookbook, il y a des vêtements partout. Donc je vais aller ranger tout ce que j'ai mis partout dans la chambre. Je termine ma boisson et puis après, je file à mon rendez-vous. Hello, j'espère que ça va. Nous sommes jeudi, je sors du travail. Je pense que ça se voit. J'ai un événement presse, donc il y a une agence qui présente toutes les nouveautés des marques qu'elle représente. Et on va aller voir ça tout de suite. Je vous cache pas que j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer, d'ôter mon manteau parce qu'il faisait hyper froid ce matin et il fait hyper chaud maintenant. Donc c'est censé se terminer dans 20 minutes. Donc je vais me dépêcher et je vais essayer de voir toutes les prochaines nouveautés qui pourraient nous intéresser. Petit look du jour pour commencer, il va pleuvoir, il fait extrêmement gris. Je vais pas vous cacher que j'avais très envie de mettre mon trench, mais lorsque j'ai vu l'état dans lequel il était, l'état de repassage dont il avait besoin, j'ai changé d'avis. Très concrètement, il est resté dans le placard et je vous avais dit est-ce que je vous l'ai dit dans le vlog précédent ou est-ce que je vous l'ai dit dans ce vlog? Je crois que c'est dans le vlog précédent. On a rendu le Steam Pod ou Steam One, je sais plus, pliable qu'on avait acheté. Et il nous reste en fait l'ancien. Mais l'ancien, en fait, quand je vois avec quelle facilité je défroissais avec le Steam One, franchement, ça me casse la tête de reprendre le précédent. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des œillères et j'ai fait comme si je n'avais pas vu que c'était froissé. Et j'ai tout simplement mis autre chose. Donc pour le look du jour, petit pull en dessous. Il s'agit, vous savez, de ces petits pulls tressés. C'est un nom, mais là, depuis ce matin, le nom ne me revient pas. De chez Polo Ralph Lauren Sport, avec une surchemise que vous connaissez, que je mets assez rarement, mais vous la connaissez, c'est une Mango. Je vous l'avais présentée il y a un bon moment de ça, maintenant. Très très jolie, d'un bleu hyper hyper foncé. Une très jolie surchemise, comme j'adore. On est sur un pantalon de chez Mango, assez simple, assez basique. Et pour les chaussures, j'ai ressorti ma paire de Golden Goose. Ça fait super longtemps, elles sont bleues à l'arrière. C'est l'amoureux qui me les avait offertes pour mon anniversaire il y a peut-être un ou deux ans, je sais plus. Je les porte rarement parce que je les aime beaucoup et que j'ai pas du tout envie de les abîmer. Bien que, je sais pas si vous le savez ou en tout cas si vous me suiviez à l'époque où j'en parlais, mais l'espèce de semelle un petit peu sale, c'est fait exprès. L'avant aussi, c'est fait exprès. C'est le principe de la paire de chaussures ainsi que le lacet qui est gris. Elles sont nickel et vraiment très très peu porté. Vous avez un effet usé ici aussi qui est fait exprès. C'est le principe en fait des Golden Goose. Donc l'amoureux ne comprend pas,
Je le comprends tout à fait, mais voilà, c'est le principe de la chaussure. Ce matin, j'ai monté le vlog précédent, enfin j'ai commencé parce que je suis censée le publier demain dimanche. Je vais me retourner. Je l'ai monté ce matin en partie. Il va me rester, je pense, une bonne heure encore de travail de montage et à trouver une photo de couverture. Et sinon, l'amoureux s'est réveillé. Enfin, ce matin, il me dit, on ne fait pas... je sais pas, j'ai la sensation qu'on devait aller chez Arletty tôt ce matin. Alors j'ai dit c'est vraiment une sensation parce que Arletty ouvre à 10h le samedi, donc on va partir d'ici 3-4 minutes et il sera 10h30 à ce moment-là pour avoir un petit peu d'avance. Et je lui ai dit bah non, on n'était pas censé y aller, il y avait la vente Maje et c'est vrai que j'aime bien aller aux ventes privées Maje. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a cru qu'on devait y aller. Il a dû voir passer le mail et il a dû se dire elle va tout le temps aux ventes Maje, donc c'est qu'on doit y aller ce matin. Donc voilà, Arletty, comme je vous l'avais déjà expliqué, ce sont les fins de stock qu'ils revendent jusqu'à moins 70%. Donc vous vous inscrivez sur le site Arletty. Il y a des ventes qui sont en ligne, donc ça c'est chouette parce qu'avant c'était que sur Paris. Il y a quelques ventes qui se font en ligne et vous avez 3 points dans Paris de vente de stock. Je pense que Arletty doit racheter les stocks Maje. Vous avez souvent Sandro, Claudie, Pierlot. Vous avez Louis Vuitton aussi. Il y a très longtemps, en tout cas, j'y avais été. Il y a quelques marques de luxe comme Disquared, etc. Givenchy également. Donc, vous payez tout moins cher. Après, c'est en fonction des stocks et en fonction des tailles restantes. Donc, voilà. Il arrive qu'on trouve des choses. Il arrive qu'on n'en trouve pas. Comme je vous le dis très souvent, c'est vous et votre chance, hein, voilà. Donc je lui dis bah écoute, on peut y aller ce matin, moi ça me dérange pas, donc on va aller faire un petit tour, j'espère qu'on va pas se prendre la pluie. Et sinon avant ça, j'ai coupé Lana Del Rey pour discuter avec vous et vous montrer mon look avant de partir. Mais en termes de chansons de Lana Del Rey, je vais vous montrer ma playlist. J'ai découvert des pépites, je ne sais même pas comment j'ai pu passer à côté de ces chansons. En fait, j'ai laissé une playlist sur YouTube cette semaine et j'ai écouté, puis je suis tombée sur des pépites que j'ai ajoutées dans ma playlist tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai au cas où vous ne connaissiez pas Lana Del Rey et que vous avez envie de découvrir une nouvelle artiste, mais nouvelle, non, ça fait très longtemps qu'elle est là, mais une autre artiste que ce que vous écoutez habituellement. Et moi, je l'écoute tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas une journée, je pense, où je ne fredonne pas au moins une chanson de Lana Del Rey que je trouve très belle, déjà pour commencer. Je trouve qu'elle a une voix qui est assez exceptionnelle et elle a ce mix entre mélancolie et joie de vivre. Enfin, c'est incroyable. Bon, plus de mélancolie que de joie de vivre, hein. On va pas... après on aime ou on n'aime pas, mais je vais vous montrer les musiques que j'aime et les dernières que j'ai découvertes. Et je me dis mais pourquoi est-ce que vous ne m'en avez pas parlé? Pourquoi est-ce qu'aucune de vous ne m'a dit attends, il faut que t'écoutes cette chanson de Lana Del Rey? Donc je vais vous montrer ma playlist et si vous en connaissez d'autres, il faut me les donner. Voilà, j'espère que vous verrez bien les titres. Donc ça c'est ma playlist de tout le temps, donc n'hésitez surtout pas à faire pause, sachant que West Coast c'est vraiment une de mes préférées, Dark Paradise aussi c'est une de mes préférées, je vais vous faire un petit topo, Without You aussi je l'adore, Old Money vraiment je l'aime énormément, Season of the Witch m'a été recommandée et j'adore vraiment. Et ensuite, dans le top des dernières découvertes, donc ben ce sont les dernières que j'ai rentrées, il y a Radio que j'aime beaucoup, Brooklyn Baby dont je dois absolument apprendre les paroles, je l'adore, Shades of Cool aussi, pareil, et pareil pour Body Electric, que j'aime vraiment énormément. Là, c'est le top 3 de mes dernières découvertes et je suis juste fan. D'ailleurs, si vous voulez... commencer, Born to Die c'est pas mal et Summertime Sadness, je pense que ce sont des chansons que vous connaissiez déjà si vous ne savez pas qui est Lana Del Rey et que vous ne saviez juste pas que c'était elle. Voilà, j'ai décidé de mettre ce petit sac, finalement le Tess de chez Chloé. Je trouve que le marine et le cognac
ça va vraiment, vraiment hyper bien ensemble. Donc voilà, c'est parti, on va chez Arletty. Je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, c'est bien spécifié, c'est bien écrit. Donc voilà, je ne pourrai pas filmer. Si toutefois, je fais des trouvailles, je ne vais pas partir avec ma caméra. Je vous ferai un retour avec l'iPhone. Donc voilà, c'est pour ça que le son des fois varie aussi. Ça va dépendre en fait de mon micro, si c'est le micro de ma caméra là ou si c'est le micro de mon iPhone. Voilà pourquoi il y a des petits soucis de son parfois. Enfin, des fois c'est fort et des fois ça l'est un petit peu moins. Je voulais revenir dessus aussi. Dimanche, j'espère que ça va toujours. Je voulais vous faire un rapide, mais super rapide résumé de la journée d'hier parce que j'ai été assez mécontente. Du coup, je voulais juste vous faire un petit retour. Donc, on est passé chez Mage. Je vous fais un petit haul juste après. Donc, à la vente privée Arletty, ça s'est super bien passé. Nickel, j'ai trouvé la petite ceinture que vous avez vue. Voilà, jusque-là, ça allait. Ensuite, on est passé sur les Champs parce que c'est pas très loin. Trocadéro, Champs-Élysées. Parce que je me souvenais d'un crayon bleu marine de chez Chanel que j'avais vu il y a presque un an au Sephora des Champs. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais flashé sur ce crayon et la dame m'avait dit qu'il n'en restait quasiment plus et que la collection allait être arrêtée, enfin notamment cette couleur, un crayon bleu nuit jumbo. Je vais essayer d'être super rapide parce que l'histoire elle est trop longue sinon, mais je vais vous donner juste des points clés, vous allez comprendre. Donc c'est ce qu'elle m'avait dit, et elle m'avait dit, en tout cas nous chez Sephora, une fois que la marque arrête, il faut nous qu'on enlève tous les stocks et qu'on leur rende. Par contre, c'est pas le cas dans toutes les boutiques qui revendent Chanel, qui peuvent revendre jusqu'à épuisement des stocks, et je parle des boutiques qui ne sont pas Chanel, des revendeurs hein, comme Marionno, Nocibé, Petite Parfumerie, etc. De quartier. Donc, ok, j'avais cette information-là. Le crayon, en fait, m'a trotté un petit peu dans la tête. Et j'avais été à la Samaritaine, directement chez Chanel, il n'y a pas si longtemps. Et ils m'ont dit que non, effectivement, ils ne faisaient plus du tout ce crayon, mais que c'était très bien que je sois venue les voir directement. J'avais été extrêmement bien reçue par l'équipe Chanel Samaritaine, gérée par Chanel. Donc, jusque-là, ok. Seconde expérience Chanel, je me suis rendue pour Noël dernier au Chanel, alors rue Cambon, mais tout en bas de la rue Cambon, pas la première boutique au début Cambon. J'avais été hyper bien reçue, je vais tout en bas parce qu'ils sont plus experts beauté, etc. pour acheter un parfum pour ma maman. Super mal reçue, on s'est pas du tout occupé de moi, je venais vraiment pour acheter un parfum à un prix qui était quand même un peu... Voilà, quand même assez cher, c'est à peine si elle m'a adressé la parole, j'ai demandé si je pouvais avoir un paquet cadeau, elle m'a répondu oui, mais vraiment elle était agacée, ok, j'ai demandé gentiment, enfin bref c'est un cadeau, donc voilà, et puis bon voilà, l'expérience était assez mitigée. Dans la maison mère, ça s'était pas hyper bien passé, par contre auprès des revendeurs et des personnes Chanel, mais dans des boutiques, nickel, donc... Voilà, j'étais un petit peu mitigée de mon expérience. Hier, je me ressouviens du coup de ce crayon nuit et je me suis dit, ben tiens, essaye de le retrouver. Donc, on part sur les Champs.
je passe directement chez Chanel, donc à la boutique Chanel des Champs-Élysées, et je leur dis que voilà, je leur raconte ça, je leur dis que il y avait ce crayon jumbo marine, qu'il y a un an de ça, hein, voilà, il n'était plus du tout dispo. Est-ce qu'il ne serait pas par hasard ressorti, étant donné que j'étais sur place? Mais vraiment très gentiment, la dame me dit non, il n'existe pas, ça n'a jamais existé. Je lui dis ben si ça a existé, je l'ai vu, je veux juste savoir si vous l'avez ressorti ou si tout simplement ça sert à rien que je le cherche. Ça n'existe pas, vous confondez, nous on n'a que des crayons fins, on n'a jamais fait de gros crayons, alors que si ils en ont à l'heure actuelle. Hein. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors moi à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, je sais de quoi je parle, donc forcément j'insiste un petit peu, je dis ben écoutez, j'avais été aux Champs-Élysées, j'avais été à la Samaritaine, ils m'ont dit qu'ils avaient arrêté. Donc c'est que ce crayon existait, je voulais juste savoir, mais c'est pas grave. Donc elle est encore plus agacée que moi, visiblement, alors que moi j'en avais terminé. Elle demande à son collègue s'ils ont ce crayon-là, parce que selon elle, il n'existe pas. Alors il lui dit, ben, si, il a existé. Donc franchement, heureusement qu'il a été là, parce que j'aurais dit l'expérience Chanel pour moi plus jamais, vous voyez. Il a été mais adorable, il ne l'a pas remise à sa place parce que je pense qu'il n'a pas entendu la conversation de base, mais rien que son si, je lui ai dit franchement merci parce que votre collègue me prenait pour une menteuse, limite, à me dire que non, ça n'existait pas. Donc, il m'a dit que si, effectivement, il l'avait fait et que, voilà, c'était terminé et que je pouvais peut-être voir s'il restait un petit stock quelque part, mais que, en tout cas, chez Chanel, c'était fini, ça servait à rien que je cherche. Je lui dis au revoir, je vais sur les Champs. Directement dans le Sephora, je suis reçue par Yasmine, je me rappelle de son prénom, gentille comme tout, je lui dis que je n'avais pas été hyper bien reçue par la première conseillère Chanel, elle me dit qu'elle est absolument désolée, elle se confond en excuses au nom de Chanel, elle travaille pour Chanel, qu'elle a fait plusieurs boutiques, reventes, etc. pour Chanel, et que c'est que certainement la dame que j'ai vue n'avait pas été, enfin, venait d'être formée et qu'elle n'avait pas l'historique de Chanel et que c'est des choses qui pouvaient arriver. Je lui dis que oui, il n'y a pas de souci, mais qu'on peut me recevoir correctement quand même. Donc elle s'est excusée, elle m'a dit qu'effectivement ce crayon-là n'existait plus, que je pouvais peut-être voir chez Marionneau et Nocibé si je pouvais le retrouver. Elle s'est excusée et m'a offert un petit cadeau Chanel. Donc vous voyez, j'ai eu cette petite boîte Chanel Beauté et à l'intérieur de cette boîte, j'ai eu deux mascaras. Hop là, le volume de chez Chanel, donc en deux exemplaires, j'en ai déjà ouvert un, donc hop, qui se présente comme ceci. Et j'ai reçu aussi, hop, cette petite trousse Chanel Beauté, donc j'étais hyper contente. Et je me dis de toute façon, c'est comme dans la vraie vie, il y a des gens bien partout et des gens un petit peu moins bienveillants. Et bien c'est le cas, et heureusement qu'à chaque fois que j'ai mis les pieds dans un Chanel, il y a toujours eu une autre personne pour me faire dire « Ah ok, ça va, on peut aussi être bien reçu. » Mais c'est vrai que j'ai été vraiment assez mécontente globalement de cette expérience, en tout cas en boutique. Chez Sephora, à chaque fois que j'ai été dans le stand Chanel, j'ai toujours été extrêmement bien reçue et forte, heureusement. Donc on est parti Marionneau des Champs, une vendeuse encore super désagréable versus tout le reste d'équipe qui a été charmante. Donc il existe ce crayon, je l'ai vu de mes propres yeux, mais seulement la démo. Il n'y avait pas de stock, donc impossible d'acheter le testeur, bien évidemment. On est passé au Marionneau aussi de la Défense. Une fois de plus, le testeur était là, mais plus de produits. Donc voilà, le petit résumé. Petit look du jour, blazer en tweed de chez Zara. Petit top des familles, col carré. Si vous cherchez ce type de col, cherchez juste top col carré. Je pense qu'on ne le trouvera plus, puisque j'ai l'impression que Best Mountain ne fait plus, ne revend plus. Je me demande si la marque n'a pas fermé, parce que la dernière fois que j'ai été sur leur site, il n'y avait plus rien, le site était à l'abandon, donc à vérifier. Le petit short, vous le connaissez, c'est le Karen Millen, et juste en dessous, est-ce que vous verrez si je recule bien, j'ai mes petites bottes de chez Mango, voilà, que vous avez vu dans le lookbook. Et les filles, à chaque fois que j'achète une nouvelle pièce, je vous le dis tout le temps,
en temps et en heure. J'ai reçu à nouveau des questions sur ces bottes que je portais dans mon lookbook précédent, que ce soit ici ou sur Instagram. En fait, je vous les montre en temps et en heure. Ce n'est pas un nouvel achat, elles datent de l'hiver dernier. Évidemment, elles sont assez intemporelles pour que j'ai eu à les garder encore cette année, et je les garderai l'année d'après et l'année d'après et l'année d'après si elles ne sont pas usées, évidemment. Donc là, je sais que sur le site de Mango, elles ne sont qu'en version noire. Voilà, peut-être qu'en boutique il y a eu un réassort et qu'on peut les trouver encore en boutique. Elles sont à 149€ puisque cuir véritable, mais là vous ne les trouverez pas à l'heure actuelle, là tout de suite à l'instant T. J'ai regardé sur le site de Mango, vous les avez en noir, je me tâte même à les prendre en noir. Mais évidemment, quand je vous dis qu'il n'y a plus de stock, c'est que je vous les ai montrés avant. Et là, ça va être la même chose ici. Alors, chez Zara, j'ai pris ce petit pull avec des petits boutons, comme ceci. Ça, ce sont les basiques, les classiques de la maison Zara. Je vais vous les montrer porter à chaque fois avec la tenue que je porte là maintenant. Donc, il est possible que ça n'aille pas forcément ensemble. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez vraiment le détail porté. Toujours chez Zara, j'ai pris ce blazer dont j'ai adoré la couleur. Il est oversize, c'est une taille S, il existe aussi une taille en dessous, une taille XS, et ce blazer existe également en noir. Je l'ai acheté cette semaine, donc je vous le montre, au prix de 49,95€. Donc j'ai trouvé que c'était pas hyper cher pour les blazers Zara qui tournent aux alentours de 70€, tout comme les blazers de chez Mango. Pas de jolis détails au niveau des manches, il est très classique. Un boutonnage simple ici, tac. Alors je ne sais pas si les poches se craquent, en tout cas moi je ne compte pas le faire. Mais voilà, j'adorais la couleur, la coupe légèrement oversize, c'était tout à fait ce que je cherchais en ce moment. Et ça ressemble un petit peu, on est dans le même style que tous les blazers de Frankie Shop que vous voyez eh bien, en ce moment. Petite veste adorable que j'avais vue également chez Zara et que j'avais essayé la première fois en taille M mais que je n'avais pas acheté. Et en fait ça m'a trotté dans ma tête. Voilà, c'est resté dans ma tête très longtemps, c'est resté dans ma tête plus d'une semaine et demie. Donc je me suis dit écoute, retourne, si à ta taille c'est qu'elle était pour toi, si tu ne la trouves pas au moins en taille M pour pouvoir mettre un pull à l'intérieur, c'est que c'était pas le bon, c'est que c'était pas le bon moment, c'est que c'était pas pour toi. Donc voilà, je l'ai acheté bleu marine. Elle va boulocher hein, en termes de matière, ça c'est certain. Elle est comme ma surchemise de chez Mango que je portais du coup en début de ce vlog, je crois. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'enchaîne les vlogs, donc je sais plus dans quel vlog précisément. Donc avant je pouvais savoir, maintenant que j'enchaîne, je ne sais plus dans quel vlog se trouve quoi. Mais en tout cas, voilà, très très jolie pièce, très joli détail et très 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 joli bouton. Et pour finir, petite ceinture que j'ai pris à la vente hier de chez Maje, chez Arletty. Alors en termes de prix, cette petite ceinture était vendue chez Maje 95€, prix Lavallée Village. Donc c'est la première fois que je vois prix Lavallée Village, donc je pense que maintenant les invendus passent à Lavallée Village et ensuite passent chez Arletty, ou alors j'ai jamais fait attention sur les étiquettes, c'est possible aussi. Donc comme je vous disais, 95€, prix Lavallée Village 61€, moi je l'ai acheté 49€. Donc je l'ai quasiment eu à moins 50%, on est passé de 95 à 49, donc quasi moitié prix, donc c'est assez intéressant. Évidemment, si comme moi vous vous y rendez les samedis, les stocks sont moindres, c'est évident. Donc voilà, petite ceinture, celle-ci bouge et vous pouvez aussi la retirer si vous le souhaitez. Donc moi je trouve que c'est une assez bonne idée à passer au-dessus d'un blazer par exemple, et vous pouvez venir mettre là pour une soirée votre téléphone dans votre poche ou dans la main si vous voulez filmer, profiter de la soirée avec votre téléphone, mettre votre carte bleue, carte de métro uniquement juste là, ça suffira, c'est vraiment pas mal. Même pour une journée de boulot, si vous laissez vos affaires dans un vestiaire, dans un placard, etc. Vous avez juste votre carte bleue, votre téléphone avec vous et ça suffira pour aller déjeuner, pièce d'identité aussi. Et voilà, vous pouvez faire une journée sans votre sac à main finalement si vous le souhaitez. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et si toutefois la pochette ne m'intéresse plus, je pourrais tout simplement m'en servir comme ceinture. Donc voilà les filles, je vous retrouve à la même place exacte pour le prochain vlog puisqu'on va continuer cette journée dans le vlog prochain. Donc à très très vite pour la suite.